C'est en automne 2009 que nous effectuons notre première croisière en Méditerranée en compagnie de nos amis américains de Floride, Carol et John. Nous embarquons à bord du paquebot Melody de la compagnie MSC au départ de Toulon. Petit navire de 1600 personnes, dont 500 pour l'équipage, nous allons vivre une semaine mémorable, faite d'insouciance, d'oisiveté, de farniente et de plaisir partagé. Tout est mis en œuvre par l'équipage afin que l'on puisse passer une semaine de rêve pour le plaisir des grands et des petits. Notre première excursion depuis Catane nous mènera sur les pentes de l'Etna à 3300 mètres d'altitude. Jusqu'à 800 mètres, les pentes du volcan sont couvertes de citronniers et de rangées pour laisser place ensuite à des coulées de cendres qui ont enseveli de nombreuses habitations. Une centaine d'éruptions ont été constatées au cours du XXe siècle. Il est toujours considéré comme le volcan le plus actif au monde. À partir de 2000 mètres, la végétation se fait de plus en plus rare pour laisser place à un spectacle lunaire, grandiose, aux tonalités infinies qui passe d'une nuance à l'autre selon le nuage et qui ne peut laisser le spectateur indifférent. Catane est la deuxième ville la plus peuplée de Sicile après Palerme. C'est une ville accueillante avec ses larges rues et ses grandes places qui rappellent son passé, fait de destruction et de reconstruction. C'est aussi la ville natale de Vincenzo Bellini, compositeur prodige de nombreux opéras, mort à 34 ans. Entrée en éruption le 24 août 79 après Jésus-Christ, le Vésuve a enseveli Pompéi par une pluie de cendres et de boue. Cette pluie a figé les habitants et a permis la conservation des objets et des corps dans leur état initial.
Notre avant-dernière escale sera en Corse, à Ajaccio, après avoir longé des côtes sauvages, très variées, aux nombreuses stations balnéaires resplendissantes de blancheur. Monument le plus visité de l'île, la maison natale de Napoléon Bonaparte, devenue musée national. Ici, la place d'Austerlitz, qui sert d'esplanade à une pyramide monumentale élevée à la gloire de Napoléon. Sur les marches est évoquée l'action civile par les termes Code civil, Université, Banque de France, Légion d'honneur, Cour des comptes. Dès la sortie du bateau à Gênes, nous apercevons le long des quais le bateau appelé Galion, utilisé par Roman Polanski dans son film Pirate. Gênes est un véritable dédale de ruelles qui donne sur de nombreuses places aux monuments très imposants et à l'architecture classique. Notre croisière en Méditerranée touche à sa fin et nous regagnons Toulon, notre port d'embarquement. Chacun de nous revient enchanté par cette merveilleuse croisière faite de farniente, de dépaysement et de paysages merveilleux.